arrivons à mettre le plus possible. Voilà. Alors, on va prendre ça. Il n'y a pas de flèche par contre. Non, on ne va pas prendre. Normalement, il devrait avoir des spawns. C'est quoi ça, protection 5? Donc, est-ce que j'ai pas des potions? Régénération. Force. Ouais, l'idéal, ça aurait été une potion de. Résistance au feu. Ok. On va faire une. Ah, mais j'ai pas gardé de pierre. Bon. On va prendre une petite épée. Les flèches, je vais sûrement en trouver le long du chemin grâce au squelette. Par contre, là, j'ai plus du tout d'armure. Bon, moi, maintenant, la zone supérieure est dégagée. J'ai mis quelques obstacles pour le. Enfin, la zone supérieure, le pont est dégagé. Pour la partie avec les blazes, j'ai déjà mis quelques blocs. Faut que j'arrive à en remettre quelques-uns en plus. Mais... ça devrait déjà être un poil plus simple. Là, avec un peu de chance, tous les squelettes que j'ai jetés en bas, ils ont des spawns. Ce qui me permettrait de récupérer tranquillement tout mon matériel. Ça a l'air relativement safe. Ouais, bon, par contre, on va voir si j'ai encore un peu de stuff plus haut. Celui qui est tout là-haut pour l'instant, tant que j'ai pas récupéré mes blocs, c'est pas vraiment la peine. Mais... par contre, après, j'ai cette zone de blaze à nettoyer aussi. Il y a des bottes là-haut. Là, je peux récupérer. Récupérer ces blocs là, ça permettra déjà d'en mettre quelques-uns et j'y retourne. Voilà, je crois que c'est bon. Ah non, c'était vraiment un tir mauvais, ça. Plus de flèches. Toi, il m'a semblé en avoir récupéré, mais... ou alors un énième bug. Bon, retraite. Non, pas trop bas. C'est dangereux, l'en bas. Alors ici, il n'y a plus rien. Pour... ouais, il n'y a vraiment qu'un blaze là-bas. Donc a priori, ça devrait être bon. On va essayer de le tuer. Je vais aller par le chemin normal. Tiens, ils ont des zombies qui apparaissent. C'est plutôt
plutôt bon signe qu'il y ait des zombies qui apparaissent, ça veut dire que il y a moins d'entités. Autrement ils pourraient pas se spawner naturellement. Par contre, je vais éclairer un peu. Parce qu'autant je trouve ça encourageant que qu'il y ait des spawns naturels, autant si j'arrive à l'éviter. Oula, c'est le même qu'avant. Paf, puis je tombe dans l'eau. Enfin dans le feu. Bon, il y a sûrement du monde là-haut. Ça, je vais visiter après. Donc je suis là. Déjà, je vais mettre un petit coffre. Bien en vue. Je vais quand même en garder un. C'est vraiment bizarre pour ces flèches. Ou alors ils ont despawné juste où on sait que je suis passé. Ou alors je les ai jetés sans faire exprès à un moment quelconque. Forcément. Voilà, c'était juste pour l'éclairage, comme il l'a dit. Oh bah, ça va spawner là-dedans. Tout ce qui spawn là-dedans ne spawn pas ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a par ici? L'éclairage. Je vais récupérer ce bois. Je suis tellement en rade de ressources. Il reste toujours l'éternel problème de la nourriture qui de nouveau est en train de se poser. C'est que si je trouve pas rapidement quelque chose, non rien, j'ai peut-être déjà pris ce coffre. Méfier. On va se méfier à la fois de ce qu'on peut trouver par ici. Et à la fois des silverfish. Bien, serait que j'ai un seau, ça je pourrais prendre la lave. Voilà, là le chemin est déblayé. Je vais juste aller voir depuis les murailles en fait si je vois ce qu'il y a à cet endroit là. Oui, j'aimerais bien mettre balancer de la lave là-dedans pour déblayer un petit peu toute cette population hostile. Bon, en tout cas là-dedans. Il y avait un peu de choses. Voilà, bah, les squelettes. Il faut pas m'atteindre. Je vérifie quand même. Ce serait bête qu'il y ait juste un passage où c'est qu'il arrive à passer, à me tomber dessus. C'est assez infernal comme bruit.
Qu'est-ce que c'était ici? Régénération. Je vais l'apprendre, j'ai pas... De toute façon, je peux pas faire grand chose d'autre pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Où est-ce que je peux monter? Je pourrais essayer de monter peut-être de l'autre côté. Parce que j'ai pas envie de monter par l'intérieur. Si j'arrive à passer par l'autre côté, ça me paraît la solution la plus... la mieux à envisager. Si on pourrait se tirer dessus un petit peu, ce serait bien. Et vu que là-bas il y a déjà quelques squelettes qui ont spawn. Toujours attention. Si les silverfish ici ils arrivent de faire mal, je risque de tomber. Oh, j'ai de nouveau beaucoup de stuff sur moi. Enfin beaucoup. C'est tout relatif, on va dire, vu l'espérance de vie de mon stuff, j'en ai beaucoup. Bonjour. Non, pas de lave ici. Voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Et là, s'il pouvait venir. Session d'éclairage. Oui, je vis dangereusement, si c'est la question. Alors, j'ai aussi surveillé en l'air. Je me suis déjà fait avoir suffisamment. Toujours pas à manger, toujours pas. Qui arrive par en bas. Ça fait une trop grande zone à boucher. Plutôt essayer d'être vraiment éclairé là-haut. Puis après je vais attaquer par en dessous. J'ai vu quelque chose de très intéressant dans ce coffre. Il faut pas que je me mette trop près du bord. Si je meurs ici, il faudrait pas que ça tombe dans la lave. Carotte dorée, recharge. Surtout les steaks. Parce que c'est un peu le moment d'en manger. Les réserves de bois, des échelles, c'est bien. On va voir si quelqu'un reconnaît la référence. Un creeper qui vient par ici. Je vais quand même essayer de pousser. Cette entrée. Ah,
Faut aussi que je me méfie parce qu'il peut y avoir les mécanismes de l'appel de meute. Vous savez qu'il y a des... Non. Quoi, il y a des zombies qui font spawn des congénères. Donc vu que là je suis en train de faire une map aventure, j'ai pas mal étudié les NBT tags, donc c'est quelque chose qui peut être désactivé comme fonctionnalité. C'est pas obligatoire, mais je sais pas du tout déjà si c'était fait avant l'apparition du NB tag qui permet de spécifier cette caractéristique. Bah par défaut à mon avis le... Oula, non. Je pense que par défaut les zombies ils peuvent faire ça. Pourquoi j'ai plus de torches? J'ai tout utilisé? Je comprends pas. En fait, il y a vraiment des coups de lag. C'est comme des fois... Des fois, il y a des objets qui disparaissent à cause du lag. J'ai l'impression que c'est ça. Ah. J'ai pas été assez rapide. Bon, bah, je fais une petite ellipse le temps de retourner sur place.